population mauricienne a besoin d'un système de santé fiable et de qualité. Il faut certainement moderniser les infrastructures, mais sait-on dans quelles conditions les patients sont reçus dans les hôpitaux actuellement? Des salles d'attente bondées, de longues listes d'attente, des toilettes insalubres, des médicaments dont on ignore si le contrôle de qualité a été correctement effectué. Même au niveau du parking des véhicules pour le personnel, les visiteurs, les années passent et le problème reste entier. Mais il y a également des problèmes autrement plus préoccupants. Monsieur le Président, ces derniers mois, quelques cas de négligence médicale ont choqué la nation, surtout celles impliquant des nouveau-nés. Tête décapitée, tempes coupées, doigts sectionnés parmi tant d'autres. Malheureusement, les cas de négligence allégués s'enchaînent à longueur d'année. Rien que de janvier 2019 à avril de cette année, il y a eu 80 cas de négligence médicale alléguée qui ont été référés au Medical Negligence Standing Committee pour enquête préliminaire. Les enquêtes sur ces cas de négligence alléguée traînent des années durant, dues à la lourdeur considérable de la bureaucratie au niveau du ministère. Une des contraintes vient aussi du fait que ces enquêtes sont rarement impartiales, car ce sont des médecins qui enquêtent sur d'autres médecins. Vu tous ces obstacles, ce n'est sans surprise que, malgré de nombreuses plaintes de négligence médicale alléguées, il n'y a eu qu'une seule condamnation à ce jour, où en 2019, un médecin a été trouvé coupable par la Cour de négligence médicale pour des faits qui se sont produits en 2005. Monsieur le Président, selon le rapport de l'audit 2020-2021, les réclamations au gouvernement pour les cas de négligence médicale pour la période de janvier 2004 à juillet 2019 étaient d'1 milliard de roupies. Et ces mêmes réclamations s'élèvent à 470 millions de roupies rien que pour la période de juillet 2019 à décembre 2021. Presque un tiers des réclamations des 15 dernières années. Des réclamations totalisant 1,4 milliard à décembre 2021. Monsieur le Président, les négligences médicales sont des violations au droit à la sécurité des patients. Malgré que, dans son rapport, le directeur de l'audit pointe du doigt que le ministère de la Santé n'a aucune stratégie dans sa gestion des problèmes de la sécurité des patients, ce budget ne corrige rien de cela. Monsieur le Président, ça fait maintenant plus de 7 ans que la construction du New Cancer Hospital, anciennement la clinique MedPoint, a été annoncée. Et ce nouveau centre de cancer reçoit une dotation dans chaque budget successif. 870 millions cette année. Trois différents ministres se sont succédés et ont annoncé tour à tour la venue de ce centre de cancer de pointe, ce State of Art Cancer Center, dont l'achèvement se fait toujours attendre. Son inauguration a eu lieu en février de l'année dernière, mais cependant, toujours dans un état déplorable, Monsieur le Président. Non seulement ce centre contient uniquement un département de chimiothérapie et pas de radiologie, mais est aussi encore en chantier et n'abrite même pas une simple cuisine. Monsieur le Président, dans le précédent budget, un régime avait été établi avec les cliniques privées pour permettre aux patients de se faire soigner localement dans le cadre du programme si le traitement n'est pas disponible dans les hôpitaux publics. Et tout récemment, le Conseil des ministres vient d'avaliser l'implémentation d'un prêt spécial à taux zéro pour ces patients, leur permettant d'emprunter à travers deux banques. Monsieur le Président, cette mesure est un réel désaveu du système de santé publique qui n'arrive pas à offrir les soins nécessaires à la population et est dans l'obligation de chercher l'assistance des cliniques privées. Est-ce aussi un moyen pour désengorger les listes d'attente interminables des hôpitaux? Et qu'en est-il des cas qui nécessitent plus d'un traitement? Est-ce que ces patients bénéficieront d'un deuxième prêt à taux zéro? Je souhaite que l'honorable ministre puisse apporter des éclaircissements là-dessus. Monsieur le Président, encore une fois, le système de santé publique s'appuie sur les cliniques privées pour pallier à ces manquements. Comme c'est le cas quand les équipements médicaux tombent en panne, chose qui arrive très fréquemment. Et les patients doivent être envoyés en clinique.
Chaque année, des millions sont budgétés pour l'acquisition d'équipements médicaux, Monsieur le Président. Soit l'effet d'annonce reste sans suite et les équipements ne sont pas achetés, soit ils le sont, mais souvent sans les services après-vente adéquats. Le ministère de la Santé, au lieu d'investir judicieusement dans des équipements fiables et correctement entretenus, à la place se contente de verser d'énormes sommes aux cliniques privées pour l'utilisation de leurs équipements pendant que les leurs sont hors service. Monsieur le Président, pour souci du bien-être et de la santé de notre population, il est urgent et nécessaire que le système de santé bénéficie d'une meilleure gestion et devienne enfin autonome et offre toutes les prestations de santé dont la population a besoin. La santé ne doit être un produit de luxe réservé aux nantis. L'objectif primaire doit être le soulagement de la souffrance et de préserver the wealth of our nation. Monsieur le Président, et pour préserver la santé et le bien-être de notre population, il ne suffit pas d'investir des milliards de roupies dans nos hôpitaux. Mais il s'agit aussi d'investir dans la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Monsieur le Président, durant les 10 dernières années, l'île Maurice a connu une tendance croissante de mortalité causée par les maladies non transmissibles. Le taux de diabète est préoccupant, le diabète étant de 21,1% des décès en 2020. Il ne suffit pas d'augmenter la taxe sur le sucre pour s'attaquer au problème du diabète grandissant, comme annoncé dans le budget de l'année dernière et qui, selon ce budget, rentrera en vigueur à partir du 1er juillet 2025. Surtout si la consommation des produits sucrés est déjà ancrée dans les habitudes des Mauriciens et Mauriciennes, mais cela doit aussi être accompagné d'autres initiatives. Nous constatons aussi une progression considérable d'enfants en situation de surpoids et d'obésité. 6 enfants sur 11 sont obèses d'après le Global Obesity Observatory, des chiffres très alarmants et qui expliquent aussi l'augmentation du diabète chez cette tranche d'âge. Si rien n'est fait, ces enfants se heurteront à divers problèmes de santé en tant qu'adultes. Afin de ne pas construire une société malade, c'est justement dès le plus jeune âge qu'il faut aborder ce problème afin de changer les habitudes néfastes à la santé et de décourager la consommation de sucre par les enfants. C'est dans cette optique que je propose plus de programmes de sensibilisation dans les écoles, de rendre obligatoire la position des étiquettes de mise en garde sur les boissons sucrées et de rendre illégal tout type de publicité incitant les enfants à consommer les aliments et boissons en forte tenue, matières grasses, sucre et sel, en les rendant spécifiquement attrayants aux enfants. Monsieur le Président, le fardeau économique des maladies non transmissibles, autant plus, pèse lourd sur le système de santé. Monsieur le Président, les femmes sont confrontées à des défis uniques en matière de santé. Les maladies relatives à la santé sexuelle et reproductive, comme le cancer du sein et de l'utérus, représentent un tiers de la charge totale de morbidité chez les femmes et 6% de la mortalité, selon Statistics Mauritius. Les femmes ont un rôle clé pour maintenir des familles saines. Elles accèdent au système de santé plus souvent que les hommes, que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs enfants. Elles tombent enceintes et donnent naissance à leurs enfants, un événement majeur en matière de santé. Dans la plupart des familles, les femmes demeurent les principales pourvoyeuses de soins en ce qui concerne les enfants, un rôle qui influence grandement la santé du foyer familial dans son ensemble. Les femmes sont aussi plus concernées par les soins aux personnes âgées et les soins de longue durée, car en moyenne, elles vivent plus longtemps. La population des femmes âgées de 80 ans a monté, étant presque le double de celle des hommes, selon Statistics Mauritius. Mais c'est aussi un fait qu'en moyenne, les femmes ont moins de moyens financiers que les hommes. Il serait donc important d'investir plus dans la santé des femmes et des filles. En leur accordant la priorité, serait un moyen pour construire une économie et une société plus saines. Le taux de mortalité infantile demeure à ce jour élevé, 179 l'année dernière selon Statistics Mauritius, et le nombre de mortalités maternelles se chiffre à 8 décès en 2020. Notre système de santé doit pouvoir garantir que, pendant leur grossesse, chaque femme
reçoivent un accompagnement prénatal approprié, des examens réguliers, incluant le dépistage des conditions comme le diabète gestationnel, et aussi un accompagnement éducatif afin d'encourager un comportement sain, comme la cessation du tabagisme et l'alimentation saine. Cela contribuera grandement pour réduire le taux de mortalité infantile. Monsieur le Président, ces dernières semaines, la population a été témoin de plusieurs actes de violence physique, que ce soit dans les écoles ou dans les stations de police. Et ces violences surviennent aussi très souvent derrière les murs des foyers. Et ces violences domestiques affectent, dans la majorité des cas, les femmes et les enfants. Cela me désole que ce budget ne décourage en aucune manière la violence dans toutes ses formes, surtout envers les plus vulnérables de notre société. Monsieur le Président, les mentalités doivent changer. Il faut des campagnes de sensibilisation plus efficaces dans les familles et les écoles et inculquer aux jeunes surtout que la violence est l'arme des lâches, pour dire que ces actes irrespectueux sont inacceptables et illégitimes et que le recours à la violence n'est jamais une option. Cette violence prive notre population d'humanité, de sécurité et de dignité et compromet la cohésion sociale, la paix et la sécurité d'une société. Monsieur le Président, venons au secteur touristique. La relance de notre industrie touristique est primordiale pour la relance économique du pays et cette croissance économique dépend en grande partie au nombre d'arrivées de touristes et des revenus engendrés. Monsieur le Président, la MTPA voit son budget marketing augmenter de plus de 10%. Nous devons certes mettre les bouchées doubles pour promouvoir notre pays et accroître notre visibilité, surtout compte tenu du retard de la reprise du secteur touristique par rapport à nos compétiteurs directs comme les Seychelles et les Maldives. Mais il s'agit aussi d'être sage et efficace dans les dépenses et de ne pas renouveler les erreurs du passé, comme l'accord de parrainage de 400 millions de roupies entre la MTPA et le Liverpool Football Club Athletics Ground Limited. Venons à présent sur les chiffres énoncés par le gouvernement, à commencer par l'objectif des 650 000 touristes sur 12 mois dans le budget de l'année dernière. Au final, le pays a accueilli 490 000 touristes de juillet 2021 à ce jour. Et qu'en est-il de l'objectif d'un million de touristes pour cette année? De janvier à mai 2022, le pays a accueilli 313 000 touristes. Et avec la période creuse à l'horizon, cet objectif sera trop ambitieux, comme mentionné dans le rapport de la MCB Focus. Cette fois-ci, ce budget projette d'atteindre 1,4 million de touristes au cours de la prochaine année financière. Pouvons-nous donc nous fier à ces prévisions? Sont-elles crédibles? Par contre, une chose est certaine, Monsieur le Président, nous souhaitons tous une reprise optimale de notre secteur touristique et il serait important de non seulement consolider nos marchés traditionnels, mais aussi de diversifier et cibler de nouveaux marchés et de renouveler les efforts pour attirer une clientèle qui dépense gros. Et pour cela, nous devons ouvrir davantage notre accès aérien et s'assurer qu'il y ait suffisamment de vols et de sièges pour amener au pays le nombre de passagers souhaités. Nombreux sont les professionnels du secteur à dire que ce serait dans l'intérêt du tourisme de s'aligner au modèle international et d'assouplir les restrictions sanitaires sans pour autant compromettre la sécurité de notre population.